Mais c'est vrai que j'ai hâte que ça se termine. Franchement, ça devient un peu lourd. On est tous un enfer pour les autres. Donc en fait, non, j'ai hâte que ça soit totalement déconfiné et beaucoup plus fluide, bien sûr. Je serai à la maison pour me prendre une douche. Les nouveaux codes, je ne sais pas. Est-ce qu'on va adopter un salut à la japonaise? Est-ce qu'on va juste se toucher les coudes? Est-ce qu'on va simplement s'incliner? J'en sais rien. Alors déjà, moi, il y a un terme qui me gêne beaucoup, c'est distanciation sociale. Pour moi, c'est pas social, c'est une distanciation physique. Mais social, ça veut dire tout autre chose. On parle de classe sociale. On est en train de repenser tous nos schémas, bien sûr. Il va falloir qu'on travaille beaucoup plus à distance. Et en interne et en externe avec nos clients. Voilà, c'est tout un modus vivendi qu'il va falloir revisiter complètement, qui va nous ouvrir à autre chose, très certainement. On va être plus agile, plus souple, plus rapide peut-être. On re-questionne complètement nos schémas habituels, absolument. Ah si, j'aimerais bien discuter avec Victor Hugo. Ça me plairait bien, d'avoir son point de vue sur ce qui nous arrive. Alors c'est peut-être un peu tourné vers le passé, mais ouais, je crois que ça serait quelqu'un comme ça. Ou alors quelqu'un de plus sage, entre guillemets. Peut-être, je sais pas, le Dalai Lama. C'est quand même pas une période fun, hein, vraiment. Vraiment. Beaucoup de gens qui meurent, enfin, c'est... Oui, ça sera une horreur, quoi. Les librairies, la culture, les bouquins, je pense que ça, c'est quand même un gros pilier. Puis on avait en face de vaillants combattants qui essayaient de contrer ce méchant virus. Voilà, ce serait ça, peut-être le début de l'histoire. J'arrive pas trop à me résigner au fait qu'on puisse continuer à vivre avec toutes ces barrières, toutes ces distances. Je trouve que c'est assez inhumain, en fait. Et je pense pas qu'on puisse... Enfin, c'est pas la vie, ça, franchement.